je dirais oui. Oui, la politique m'intéresse beaucoup. I used to be more than I am now, but yeah, still pretty interested. Oui, bien sûr, j'ai l'intention de voter. C'est ma responsabilité comme citoyenne de notre pays. Yeah, definitely. Oui, je planifie voter la prochaine élection. No, undecided. I can't say. I mean, I just think you look at Trudeau and especially with he's been interfering with court orders from the beginning, and that's just plain corruption. That doesn't have to do with any issue. That's just something that you should not do. And then if you look at the Conservatives, Erin O'Toole just seems to be more of like a bland, same old candidate. And then if you look even at the Greens, they're having like their whole leadership crisis, like the whole party's coming apart, and you don't want that. And then the NDP is running the same guy again. So like, I don't know, I just feel like there's something wrong with every party. There's so many options, but no options at the same time. Pas mal certaine que je vais voter pour le parti NDP. Pour quel parti, je suis pas décidée déjà. J'utilise plusieurs différents sites web. Par exemple, je vais utiliser les sites web des partis politiques eux-mêmes. Ensuite, je vais aussi utiliser des sites web de nouvelles. Sur la télé, sur les réseaux et en ligne. Je suis une grande political junkie, donc je vais le suivre en n'importe quelle plateforme qu'il existe. Social media can be deceiving, right? I would limit what I consume on social media and read the newspaper. Pour moi, les trois questions primaires, c'est la question de l'environnement, la question de liberté d'expression et aussi le futur du Canada après la pandémie a fini et les opportunités économiques et tout ce qui concerne la vie après la COVID-19. Je trouve comme probablement moins les sujets de comme l'économie, les choses comme ça, mais je trouve peut-être plus comme les droits humains et puis peut-être plus les sujets à propos de la religion et puis la culture, les traditions, l'immigration. Je trouve que ces sujets-là sont probablement plus mes valeurs. Well, definitely people need to get on climate and solutions that, yeah, they're going to be tough decisions, right? There's no easy way out. At some point, the hard decisions are going to have to be made, and either we're going to be forced to make them, or you can make them now while we still can.